Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et comme je vous l'avais annoncé, on va mettre un petit peu de découverte. Il y a déjà eu la vidéo de présentation. Mais là, en live, on me dit, allez hop, on repart de zéro et on se lance une petite campagne, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça a vraiment voilà, dans le ventre, hein, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, le jeu est en français. Voilà. Et donc, du coup, voilà ce que ça nous donne, en fait. Voici donc la carte. On enlève ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà. Attends, je retourne. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. La carte donc s'étend à peu près donc jusqu'à la mer Caspienne, à peu près. Voilà. Vous n'avez pas le nord de la Scandinavie. Comme je le disais dans la vidéo de présentation, on a une carte qui est plus petite que celle de Crusader Kings. Alors après, là encore, attention. Si jamais le jeu fonctionne, il est fort possible, c'est fort possible, hein, que THQ agrandisse en faisant des DLC supplémentaires. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment pas impossible. Donc comme vous pouvez le voir, alors, il est jouable en multijoueur, il est jouable en solo. Il y a tout un tas de petits paramètres. Il y a trois dates de départ, 1110, 1224, 1360, avec des niveaux de développement, des niveaux technologiques différents, et donc des unités différentes. Ah, vous voyez rien. Ah, que se passe-t-il? Pourquoi vous ne voyez rien? Attendez, pourquoi vous ne voyez rien? Ah, attendez, j'ai une idée. Hop, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. On va faire propriété, on va faire ça. Hop, là, hop. Là, normalement, ça devrait être visible. Voilà. Juste l'écran de chargement. Voilà, désolé. Voilà, donc hop, la carte est un peu plus petite que celle de Crusader Kings. Voilà. Mais comme je le disais, il est fort possible que ça puisse s'étoffer si jamais le jeu fonctionne. Ça, c'est la première des choses. Donc il y a trois dates de départ. Voilà, 1110, 1224, 1360, avec à chaque fois évidemment des conditions de départ. Si on regarde le royaume de France qui s'est légèrement agrandi, si on va en 1360, hop, le royaume de France s'est agrandi ici au sud-est, mais a perdu évidemment une partie de l'Aquitaine. Voilà. Donc ça vous donne par exemple des conditions de départ assez intéressantes. Donc voilà, c'est à voir bien sûr, suivant ce que l'on veut. On va partir nous de 1110, hein, bien sûr. Difficulté normale, il n'y a pas de problème. On peut ensuite complètement paramétrer, en partir d'une province complètement, ou vers potentiellement d'un royaume complètement aléatoire. Voilà. On va partir en religion historique. L'ordre de départ normal, rôle d'espionnage complet. Voilà. Voilà. Alors, pour commencer, THQ dit que quand on ne connaît pas véritablement le jeu, je connais un tout petit peu, on décide de prendre un royaume qui fait à peu près, allez, 4 territoires. Voilà, du 4 territoires. Au-delà, ça peut être un peu facile. Voilà, les 3-4 territoires. Moins, ça commence à être franchement, franchement difficile. Là, par exemple, Toulouse, qui a 2 territoires en 110. Il y a du potentiel, mais il va se retrouver très vite face à face en fait avec la France, qui a des vassaux contre Toulouse. C'est chaud, faut vraiment bien bien se protéger parce que sinon tu vas te faire mais rouler dessus par la France. La Bretagne avec un territoire, ça va être tellement compliqué. Voilà, il y a le Royaume d'Angleterre par exemple, il y a l'Écosse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, les Almoravides sont potentiellement très très forts. Les Fatimides, les Seldjoukides sont déjà bien présents. Voilà, il y a pas mal de territoires, bien sûr. Et ensuite, tu as des conditions de victoire. Aucun, c'est le mode bac à sable. En gros, tu fais ce que tu veux. Et là, en fait, tu auras des conditions de victoire qui apparaîtront en fonction de ton classement. Voilà. Roi Cupide, c'est littéralement, eh bien, hop, tu as un nombre spécifique de provinces, mais attention, pas n'importe lesquelles, des provinces définies, choisies. Tu as l'expansion paysanne. Donc là, en fait, eh bien, c'est simple. Tu as, de mémoire, pardon, les rois Cupides, c'est la quantité d'or. Pardon, c'est la quantité d'or. Pardon, rois Cupides, c'est la quantité d'or. L'expansion paysanne, c'est les territoires à conquérir. C'est en gros du map painting, par exemple. Alors, si je fais expansion paysanne, vous avez plusieurs éléments. Voilà. 5, 10, 15, 25, 50. Voilà. Vous définissez ensuite pareil à chaque fois, l'objectif que vous fixez. Il vous faut 35 000 pièces d'or pour gagner. Parfait. Pour aller jusqu'à 200 000. Voilà. Vous fixez vous-même votre objectif. Ça, c'est très bien vu. Guerre de marchandises. Il vous faut 64, voilà, entre 10 et 64 marchandises uniques. J'en reparlerai après.
Voilà. Sinon, tu as destructeur de royaume. Et donc là, en fait, vous paramétrez la taille de votre cible, et c'est l'ordinateur qui va vous dire, eh ben c'est là, c'est ce de royaume-là qu'il va falloir détruire. Voilà. Ça, à la limite, c'est très très drôle. L'objectif n'est pas faire du map painting. Non. Non, pas du tout. L'objectif, c'est de détruire une cible. Et attention, c'est vous qui devez donner le dernier coup. C'est vous qui devez donner le dernier coup. Ça veut dire que si en fait vous réussissez à conquérir quasiment tous les territoires, mais qu'il en reste un, et que c'est un autre royaume qui met le siège dessus et qui capture, bah vous avez perdu. Je pense que celui-là, il doit être assez simple. Voilà. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle de voir ce genre de choses. Donc voilà, on a du très classique, hein, Roi Cupide, expansion paysanne, etc. Ça pourrait être un peu du risque, ouais, en plus. Oui, tu pourrais dire ça. Voilà, ça pourrait être fun, hein, de partir sur un destructeur de royaume. Voilà. Alors, en gros, si on prend un empire, 13 provinces ou plus, il y a des chances pour qu'on soit obligé d'aller taper et surtout qu'on soit obligé d'aller détruire l'empire byzantin. Il y a de très bonnes chances. Voilà, donc vous voyez, hop, voilà. Donc si je prends un royaume moyen, c'est-à-dire que ma cible, eh bien, aura 6 à 8 provinces quand on commence. Donc ça veut dire que là, par exemple, en l'état actuel, quoi qu'il arrive, ma cible ne sera pas le royaume de France. Le royaume de France, c'est 4 provinces en 1110. Voilà. Par contre, ça pourrait être la Pologne. Ça pourrait être le royaume de Pologne. Voilà. Donc c'est assez drôle. Je me demande si je vais pas faire ça en fait. Je me demande si je vais pas faire ça. Et je me demande en même temps. Ouais. Alors l'Empire byzantin ou alors potentiellement l'Empire almoravide. Hein. Ouais, 13 provinces ou plus. Enfin, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça pourrait être l'Empire byzantin. Là, en l'état actuel, de ce que je vois, ça pourrait être soit. Non, pas les Coumans. Mais ça pourrait être soit les Sedjoukides, soit les Almoravides, soit les Byzantins. Si on décide d'aller détruire un empire. Je sais pas si on y arrivera jusqu'au bout, hein, mais on pourrait partir là-dessus. Allez, hop. On va, comme objectif, détruire un empire. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on prendrait? Qu'est-ce qu'on prendrait? Alors, faut pas qu'on soit trop proche. Parce que si on est trop proche, on va rapidement rentrer en guerre contre eux et ça va nous coûter très très cher. Ça va être du violent, violent, violent. Qu'est-ce qui pourrait être fun? On pourrait prendre les Fatimides, tiens. Attends, il y a combien de provinces chez les Fatimides? Il y a combien de provinces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 provinces chez les Fatimides. Ouais. D'accord, pourquoi pas. Là, ça veut dire qu'il y a du gros potentiel hein, chez les Fatimides. Une nation africaine, bah justement, ouais. En dessous des Fatimides. Alors, faut pas que ce soit trop compliqué. Là, il y a une province. Là, il y en a deux. Là, ça va être trop compliqué. C'est du mono-province. C'est du mono-province. Donc ça, laisse tomber. Je vais passer les trois quarts de la partie à simplement essayer de gagner un peu d'argent, en fait. Voilà. Ça va être un peu le problème. Voilà. Ça va être un petit peu le souci. Il y a le royaume de Jérusalem? Ouh. Bah oui, 1110, bah oui, il y a déjà le royaume de Jérusalem, bien sûr. Est-ce qu'on ferait pas les Irides? Les Irides en trois provinces. Oui. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand tu vois la tronche des deux voisins, en fait, faut ça. On va essayer de réfléchir. On va essayer de réfléchir. Il faut que ce soit jouable hein, quand même. Il faut que ce soit jouable. Là, comme ça, il y a deux voisins très très gros qui ont qu'une seule envie, c'est de potentiellement venir me bouffer. Alors, voyons, regardons voir. Regardons voir. Voyons voir. Non, mais il y a Jérusalem hein, aussi qui est pas mal. Ah, ils ont un vassal. Ah oui, ils ont Antioche en plus. Ah. Alors, le Yémen, ouais, alors, le Yémen, ça va être très compliqué avec les Sedjoukides à côté. Hein. Les Irides, alors, pourquoi pas, mais ça va être, à mon avis, un peu compliqué parce que de mémoire, il n'y a quand même pas forcément grand-chose dans le secteur. Pas forcément grand-chose.
On va pas prendre l'Ibérie. Hein. Alors, Tunisie. Parce que potentiellement, on peut littéralement aller. On peut littéralement. Ah non, il y a quatre provinces. Ah, il y a quatre provinces en fait. Ah, attends, il y a quatre provinces chez les Irides. Il y a quatre provinces chez les Irides. C'est potentiellement intéressant. Ça peut peut-être valoir le coup, ouais. On va peut-être tenter. On pourrait, mais on redeviendrait l'Empire carthaginois. Chiche. Allez, on va tenter les Irides. On va tenter les Irides. L'émirat des Irides. Descendant de Ziri ibn Medad, un chef militaire du califat fatimide établi au Caire et le fondateur éponyme de la dynastie, les Irides étaient des émirs qui régnaient au nom des Fatimides. Ah! On serait peut-être donc soumis ou du moins amis avec les Fatimides? Interesting. Les Irides établirent progressivement leur autonomie en Ifriqiya par des conquêtes militaires jusqu'à rompre officiellement leur lien avec les Fatimides au milieu du XIe siècle. Ah! Le règne des émirs Irides ouvrit la voie à une période dans l'histoire de l'Afrique du Nord où le pouvoir politique fut détenu par des dynasties berbères telles que la dynastie Almoravide, Califat Almohade, dynastie Zayanide, Mérinide et la dynastie Afsi. Ouais, je pense que ça peut valoir le coup, juste un tout petit instant. Ouais, on pourrait tenter. On pourrait tenter. Mais j'ai peur que du coup les Fatimides aient envie de me récupérer quand même. Allez, on y va. On va tenter, c'est parti. La campagne est sur le point. Est-ce qu'on peut déplacer la capitale? Je ne crois pas. Mais en fait, ici, c'est pas tant une question de capitale que l'endroit où en fait où siège ton roi, en fait. Voilà. Donc hop, je mets tout de suite en pause. Voilà. Donc nous commençons à Benghazi. Ok. Alors ça part. Alors, on peut traverser, hein, il n'y a pas de problème. Surtout, certes, c'est pas très développé. Qu'est-ce qu'on a ici? Travels. Ouais, ok. Et Kairouan. Ouais, c'est quand même pas top. Hein. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas du gros. Voilà. Donc ça, c'est ma tronche. L'émir Yahya de Benghazi. Oh, très fort en martialité. Donc voilà, en fait, donc il y a les cinq caractéristiques. Et c'est une quiche en économie. Une quiche en diplomatie. Religion et espionnage, hein. Par contre, 4 sur 5 en guerre, bien ça. Ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'en gros, je pourrais potentiellement regarder du côté de la guerre. Je pourrais regarder du côté de la guerre. Alors, si on regarde, d'abord, voyons voir un petit peu comment ça marche. Alors, en fait, chaque province se définit donc. Voilà, par, donc voilà, non seulement la vue, mais par des infrastructures qui existent déjà. Ok. Et surtout des éléments que vous allez pouvoir développer. Juste un instant. Donc en fait, voilà, donc chaque ville va se définir par les emplacements de construction. J'ai un potentiel de 8 villageois, enfin 8 ouvriers. C'est cette population-là qui va me servir à recruter des troupes. Je gagne de l'argent, j'ai pas mal de ressources. J'ai 1800 dans les caisses, ce qui est pas mal, je gagne pas non plus trop. J'ai 300 points d'éducation, ce qui va me servir à former des conseillers de meilleure qualité. Niveau religion, je gagne 2 points. Ouais. J'ai pas de commerce, enfin j'ai 20 points de commerce pour le moment. Ouais. Ok. D'accord. Alors que se passe-t-il ici? Détruire la cible. Ah, c'est laquelle? C'est Kiev. C'est le royaume de Kiev qui a été désigné comme cible de campagne. Voilà. Il doit conquérir sa dernière province. Avant nos adversaires. Voilà. Voilà, c'est Kiev. Si je veux gagner. Alors, Kiev. D'accord. Qu'on regarde. Kiev, 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 Kiev. Ça, c'est Riazan. Voilà. C'est ce blason-là. Donc, en gros, ça va jusque-là. Si j'ai bien compris. Non, ça, c'est la. Non, ça, c'est Rostov. Si, ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc le royaume de Kiev est là. Ici. Ah, et ben ça va être. Je vais avoir une bonne partie de la carte à faire. C'est cool. Voilà. Ok. Alors. Donc du coup, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer tout ça. Vous avez ici donc les bâtiments habituels. Donc généralement, il y en a quatre automatiques. Agriculture, religion, population et armée. Et comme on est sur le littoral, il y a des options supplémentaires. Puis, il y a des éléments particuliers. Désolé pour la petite voix derrière. Hein.
Voilà, ce sont des marchandises spéciales, justement, que vous allez pouvoir récupérer. Alors, ça coûte généralement cher, très cher. D'autres sont moins chers. Voilà. Vous avez des chevaux, par exemple, qui vont vous donner des bonus aussi en production et en marchandises. Royaume empire formable? Non. Non, non, il n'y a pas pour le moment d'empire formable. Peut-être, hein, que par la suite ça viendra. Est-ce que je peux changer de religion? C'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible. Par le biais de mariage, etc. Je pense que c'est possible. Voilà. On n'est pas aussi à fond dans dans les spécificités et les améliorations que ce que l'on peut avoir dans Crusader Kings. Hein. Non. Donc là, par exemple, commerce de chameaux, ça me permettrait de développer eh bien, du commerce et de l'argent. Voilà. Les petits sacs de commerce, les marchandises, ça va être très utile pour développer justement les accords commerciaux pour gagner de l'argent. Et ça, c'est donc directement l'argent. Mais comme on le voit, condition préalable, place de marché. Donc, il faut d'abord que je construise la place de marché qui est ici, si je veux développer ensuite le commerce de chameaux. Ok? Très bien. Pas de problème. Pas de problème. Et Benghazi, clairement, ça va être mon cœur économique. Il ne faut pas que je la perde. À Sirte, qu'est-ce qu'on a à Sirte? Ouf, il y a plein de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à Sirte. Il y a beaucoup de choses. Il y a un élevage de bétail possible pour récupérer un peu de commerce, pour récupérer du commerce et récupérer de la nourriture, qui ensuite vont être améliorées. Marché bovin, boucherie pour récupérer encore plus de nourriture. Ok, élevage de chevaux, donc voilà, j'en parlais. Donc l'élevage de chevaux va booster votre production et vos marchandises, puis ça va booster également la production des fermes céréalières, puisque vous aurez des chevaux qui pourront être envoyés, employés dans les ports, dans les champs. L'élevage de chevaux, c'est pas mal, hein, franchement. La métallurgie, ok, plus de construction, etc. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, mais ça coûte très cher. C'est possible parce qu'il y a du minerai de fer dans dans la province. Il y a de l'argent. Ouh, il y a de l'argent. Mais il faut que j'ai, pour avoir la fonderie, il me faut avoir la place du marché et la métallurgie. C'est pas pour tout de suite. Mais alors, ka-ching! Et enfin, du salpêtre. Ah ouais, non, le salpêtre, c'est super rentable. Marchandises, de l'or et de la nourriture. Le salpêtre, c'est super intéressant. Mais ça coûte cher. Mais condition, donc en gros, je pense qu'il va falloir que je développe la place du marché. Sirte, ça va être le développement de la place du marché. Clairement. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? À Trable, Trables, je sais pas trop. Alors là, pour le moment, je me suis mis en historique pour les différentes religions. Il y a des moutons, mais de la nourriture et de la marchandise, très bien. Des chevaux, il y a plein de chevaux, c'est bon ça, j'ai des chevaux partout. Et le bois. Alors le bois, ouf. Alors c'est pas cher, ça c'est cool. C'est pas cher et j'ai plus 3 de prod. Voilà, plus 3 de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va produire plus rapidement. Je vais pouvoir construire plus rapidement ici. Interesting. Très intéressant. Puis j'ai toujours le port, hein, bien sûr. Ok, très bien. Alors, je vais regarder ce qu'on peut récupérer à Tunis. Kairouan. Alors, qu'est-ce qu'on a à Kairouan? Kairouan, le travail du bois et le commerce du soufre. Ah, du soufre. Place du marché. C'est cher. C'est cher. Kairouan, il y a des trucs à faire. Alors, Tunis, potentiellement, qu'est-ce qu'il y aurait à Tunis? Malheureusement, je ne peux rien voir. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer. On ne peut rien voir tant qu'on n'a pas d'espion. En fait, il faut qu'on recrute un espion pour qu'on puisse ensuite l'envoyer, l'infiltrer Tunis. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que Tunis est peuplé. 10 points 10 points d'ouvriers. Alors, tiens, ben voilà. Alors, collines et montagnes. Ok, il y a des pirates. Ah, il y a des pirates dans la région. Ok. Il y a des herbes épices. Et il y a des forêts denses. Ok. Là, il y a des forêts denses aussi dans les Trables. Bah oui, il y a le Trable, parce que je crois qu'on a du bois. Hein. Je crois qu'on peut faire le commerce du bois. Voilà, travail du bois. Donc nous, pour le moment, on a juste ça. Peut-être que ça viendrait après. Charbonnerie, tonnellerie. Ouais. Voilà, donc on a un indice, on a du bois. Après, ça vous donne un indice sur ce qu'il y a après à l'intérieur. Est-ce que il va y avoir de la cire d'abeille, des épices ou des herbes aromatiques? On ne sait pas. Les forêts denses, est-ce que on aura du bois, du goudron? On ne sait pas. On ne sait pas après ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on n'a pas d'espions. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux petits villages.
Donc, enfin, ce qu'on considère comme des villages, très bien, donc il y a de la pop, et les propriétés côtières. Donc ça veut dire qu'il va automatiquement y avoir un port, il y a moyen de faire un port à Tunis. Ok. Bon, donc, on a vu quoi? C'est à Trable ou c'est... Trable, il y a tellement de trucs. S'il y a Sirte, hein, Sirte, c'est bien, Sirte, il y a des masses de trucs. Sirte, on va essayer de le garder à fond. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à Sirte? On pourrait faire la nourriture, développer la nourriture. Je pense que là, on va faire un élevage de cheval. Hein. 750, ouais, 750. Ou l'élevage de bétail. Hein. Plus de prod et de la nourriture associée après, dès que j'aurai commencé à développer les fermes, ou directement de la nourriture. C'est intéressant. Donc je pense que je vais développer Benghazi déjà. Quoi qu'il arrive, je développe Benghazi. On va développer du coup. On va développer. Alors, est-ce qu'on pourrait. Alors, milice villageoise pour avoir un défenseur supplémentaire. Oui. On pourrait avoir plus. On pourrait avoir. Alors, ah, ils n'ont pas de village, hein. Non, il y a des châteaux, il y a des fermes, il y a pas, il y a beaucoup de fermes possibles. Il y a beaucoup de fermes possibles à Benghazi. Donc s'il y a beaucoup de fermes possibles, enfin dis-moi, ça veut dire que l'agriculture céréalière, voilà. Ça veut dire que là, si je développe l'agriculture à Benghazi, je vais gagner plus 5. Avec en plus un plus, ouais, je vais gagner plus 5. C'est bon ça. Parce qu'évidemment, recruter des troupes, ça vous coûte de la nourriture au niveau de l'entretien. Je pense que ouais. Ça c'est bien ça. Vive les chameaux. Ouais, le cheval. Je pense que le cheval, ça va être très très important le cheval. Le chameau, ça va être sur le plus long terme, ça coûte 3 000. J'ai pas les moyens encore. Alors, oui, alors je pense que oui, les monoprovinces, au sud. Petit tour ensuite. Voyons voir. Alors. Voyons voir. Gadamès, par exemple. Gadamès. Oh, il a déjà levé son armée, lui. Hop, 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 attention à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, eux aussi, donc, sont musulmans. Des villages, mosquées. Ah, ou très religieux. Bétail, forêt. Et des minéraux. Ah, des minéraux. Donc, il peut y avoir une petite fortune assez intéressante à se faire. Des villages, des épices, des moutons, de l'or. Ah, de l'or. Minerai de fer et chameau. Ok, Mourzouk. Ah mais Mourzouk, Mourzouk, ça va être compliqué. Hein. Mourzouk, très bel objectif, parce qu'il y a de l'or potentiellement à se faire. Si on met la main dessus, on peut peut-être récupérer une mine d'or à terme. Mais alors, bonjour la défense. Ils ont énormément de population, donc ils vont se développer vite. Non, pour le moment, c'est le max. Voilà, c'est le max au niveau du zoom. Pour le moment. Bilma. Ouh, ils ont du sel. Il y a des chevaux, du bétail et du marbre. C'est des régions qui sont super sympas, mais pareil, très peuplées. Très, très peuplées. Si je commence à aller un peu plus dans le sud, Agathe, pareil, musulman. Si je vais encore plus dans le sud, Ouara. Ah, un autre mouvement. Ils sont païens. Voilà, ça y est. Donc là, vraiment, le sud, 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 à Sodé. Ah, non, là ils sont musulmans. Ok, donc il y a du païen sur le sud, sud, sud. Ok, bien. Donc, on va aller, je crois que c'est à Sirte. Hein. Sirte, voilà, Sirte, on va développer. On va développer quoi? On va développer les chevaux pour 750. Clairement. Ça va nous permettre après d'avoir un petit potentiel de construction supplémentaire qui nous sera très utile par la suite. On y va. Clic, voilà. On va ensuite développer, parce que ça va être très important à mon avis, hop, l'agriculture à Benghazi. Attention, il y a vraiment, ayez ça en tête en revanche, ayez vraiment ça en tête. Vous avez quatre éléments de construction de base, d'accord? Vous pouvez ensuite en acheter quatre autres, pas plus. Donc vous en avez 8 au maximum. Elles ont l'air jouables. Mais bon, après, attention, elles ont l'air jouables parce que potentiellement, à terme, elles sont très fortes.
Mais ça coûte cher. Fonderie d'or, c'est genre 3000. C'est genre 3000. Donc on va développer l'agriculture. Pour avoir 5 de nourriture supplémentaire. Sachant qu'après, on pourra les améliorer. Chaque construction, ensuite, chaque type de construction est améliorable. On va ensuite, parce que j'ai de la réserve, recruter un marchand pour se faire de la. Voilà, parce qu'en fait, ça, si tu regardes, je crois que c'est à Sirte. Non, j'ai pas de fonderie d'or. J'ai une fonderie d'argent. J'ai du minerai d'argent, par exemple. Minerai d'argent, donc une fonderie, c'est 4000. D'accord? 4000. Et avant, il faut avoir investi dans la métallurgie qui coûte 3000 et la place de marché, 500. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord dépenser 3500 pour ensuite dépenser 4000 et récupérer la fonderie. Ça commence à coûter cher, quoi. Ouais, elles ont des pop. Elles ont des pop. Donc, voilà. Donc là, je viens de dépenser, voilà, un bon petit pactole déjà. Bien. On va recruter un marchand. Alors là, c'est les types de conseillers qu'on peut avoir. Donc, maréchal pour la guerre, les marchands pour l'argent, enfin, les diplomates, les prêtres, enfin les érudits, et les espions. Chacun d'entre eux peut avoir des missions particulières, mais chacun d'entre eux peut aussi devenir gouverneur. Et je pense qu'avoir un petit gouverneur, par exemple à Sirte, où il y a tellement d'éléments de commerce, etc. Ouais. Parce que si je regarde à Sirte, hop, le port, par exemple, poisson salé, port de commerce. Waouh! Le port de commerce à terme, bon, ça coûte très cher, hein, 15 000. 15 000. capable de gagner face à Tunis. On va voir ça. Voilà, ça coûte très cher. 15 000. Et évidemment, il faut entre-temps avoir construit l'amirauté, etc. Mais comme j'ai des propriétés côtières, je gagne 3 par propriété côtière. Donc si j'arrive à créer un port de commerce à Sirte, mais c'est le jackpot. C'est jackpot, jackpot, jackpot. Sachant que le port va augmenter un petit peu ça. L'amirauté va gagner. Ah, la valeur défensive de siège. Ouh. Il faut les deux en fait. Il faut les deux. Donc, hyper rentable après. Hein. Hyper rentable. Vraiment. Alors, on va engager un marchand. Donc, lui, il est à Benghazi. Il est en train de diriger Benghazi. On va engager un marchand. Et je vais l'envoyer gouverner Sirte. Voilà. Comme c'est un marchand, il va gagner plus 1. Il va donner plus 1 en tant que gouverneur dans les propriétés. Donc on y va, hein. Cette ville Voilà. sera la perle de mon Voilà. Donc il va partir à Sirte et je vais l'envoyer en mission pour faire du commerce. On va faire du commerce. Voilà. Donc voilà comment ça va fonctionner. En fonction des différents partenaires commerciaux disponibles, par exemple là, moi j'ai une route de commerce possible, les Almoravides. Ça va me coûter 50. Et 10 de marchandises. J'en ai 20 en réserve, donc ça va. En échange, je vais gagner 9. Il y a des routes de commerce, je vous le dis tout de suite, ça rapporte beaucoup plus. Sachant qu'après, ces routes de commerce, ces partenaires commerciaux, eh bien, ces routes vont se développer petit à petit. Vous aurez des missions supplémentaires pour agrandir la valeur du commerce. Donc, oui, les Almoravides, c'est une valeur sûre. Voilà, parfait. Hop, pardon, ça c'est. J'ai tellement l'habitude du jeu paradoxe, voilà, c'est la touche P. On peut accélérer la vitesse hein, aussi pour le moment. Tiens, d'ailleurs, je vais voir. Tunis, est-ce que ça serait compliqué? Est-ce que ça serait facile? Tunis. Qu'est-ce? Là, ça s'est vidé là. Ça s'est vidé. Je crois que Tunis a décidé de plus ou moins partir en guerre ou du moins de préparer quelque chose. Voyons voir. Alors. Hop, là, on peut voir tout ce qui se passe. Hein. Alors, ah, Byzance a créé un pacte défensif contre Kiev. Ah ah. Le comte Henrique du Portugal a créé un pacte défensif contre la Galice. Ok, donc ça va déjà commencer à se taper dessus. Bah écoutez, c'est bien, là on a à peine commencé que déjà ça va taper. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un. Ah, mais non, je ne peux pas faire de pacte défensif, j'ai pas de diplomate. Quoique, attendez, si. Est-ce que je ferais pas. C'est les Almoraïdes, les Almoravides. Alors, bonjour les Almoravides, bonjour. Alors, ça c'est l'audience, voilà. On est en paix. On a un accord commercial. On n'a pas de mariage. Et puis, bah, dans nos relations, on n'a aucun pacte, etc. Ils sont plutôt neutres, mais neutres positifs.
Alors, petite offre. Un petit pack de non-agression? Ah, faut que j'ajoute quelque chose supplémentaire. Il va falloir attendre. Ok, bon, bah, il n'est pas d'accord. Alors, déclarer la guerre à Tunis est impossible. Alors, le problème de Tunis, c'est que je n'ai aucune information. Pourquoi ils n'ont plus personne? Est-ce qu'ils ont commencé à créer une guerre, créer une armée pour partir en guerre? Est-ce qu'ils sont envahis? Je ne sais pas. Et comme je n'ai aucun espion, je ne sais pas quelles sont leurs relations avec leurs voisins. Donc c'est là où ça pose un réel problème. Je n'en sais absolument rien. Si je veux avoir la moindre info, il va falloir que j'envoie un espion. Ça, c'est le petit avantage, par exemple, par rapport à Crusader, où en fait, on savait tout. Ou du moins, on savait beaucoup, beaucoup de choses. Là, on ne sait absolument rien. On est complètement, complètement dans le vague. Donc là, c'est en train de construire, tranquillement. Je peux même m'accélérer un petit peu. Allez, je passe à vitesse 2. Alors, ouh, par contre, truc très intéressant. Intéressant, j'ai 4 en stabilité, grâce à la religion. Merci la religion. Donc ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, voilà. J'ai un petit peu de défense, j'ai un petit malus face aux tentatives de déstabilisation des espions adverses. Ok. Alors, qui m'aime bien? J'ai l'approbation de la paysannerie. Donc, je récupère un peu de récolte en plus. Donc là aussi, tant que je vais avoir le soutien des paysans, plus je vais avoir de récolte, plus je vais encore en avoir. Mes paysans sont de meilleure qualité et ma population augmente plus vite. Très bien. Les érudits, on s'en fout. Les marchands m'aiment pas beaucoup pour le moment. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je construise des bâtiments. Faut que je construise des bâtiments pour renforcer le poids des marchands. Je pense qu'une fois que la route de commerce sera totalement ouverte, ce sera plus simple. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on peut gagner de l'argent un peu plus, si d'ailleurs j'ai la possibilité. L'armée, même moyen. Ok? La noblesse s'en moque un peu. Est-ce que je peux augmenter l'autorité? Non, je ne peux pas augmenter l'autorité. Ok. Voilà. Est-ce que je peux recruter un espion? Oui, je peux en recruter un. Je peux en recruter un, si j'ai assez d'argent. 200, je peux en engager un. Je peux en engager un, sauf que si je l'envoie... Ah, alors d'abord, je vais augmenter la qualité de mon marchand, niveau du personnage. J'ai deux possibilités possibles pour le moment. Après, il y en aura d'autres. Hein. Voilà, vous pouvez avoir cinq affinités. Soit en logistique. Logistique, l'armée va plus vite. Plus de marchandises. Plus de stockage dans la ville gouvernée. Bah, ça tombe bien parce que Sirte va être une ville commerçante. Et je débloquerai la tradition potentiellement logistique. Plus 2 d'emplacement d'inventaire de l'armée, ok, et plus 1 par marchand. Ah oui! Et Yossib, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tous, j'espère que ton stream s'est bien passé. Et bienvenue sur Knight of Honor, le nouveau jeu donc, il sort ce soir, donc là vous avez la possibilité de le voir en avant-première. Ah, logistique c'est pas mal parce qu'à terme, si je débloque la tradition, je vais gagner de l'argent. Et entre Sirte et Benghazi, il y a moyen de gagner masse thune. Sinon, il y a quoi? Marchandage. Ah ben voilà, marchandage, bien sûr, marchandage. Exactement, si, Bella. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Je vais gagner de l'argent par marchandise produite dans la ville. Donc pour le moment, je produis rien. Mais à terme, je vais produire des choses, notamment des chevaux. Et les chevaux. Et merci du coup pour ton resub, ça fait super plaisir. On Siberia s'approche des VI, 2 ans. merci pour le sub. On Grumph. s'approche des 2 ans, 21 mois quand même, Sib. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Ça fait super plaisir, hein, vraiment, Sib. Comment s'est passé du coup ton stream? Bon app à tous, exactement, Terrano. Donc à terme, ça peut être utile. Ça peut être utile. Gagner de l'argent. Si j'exporte de la nourriture, oui, parce que vous pouvez faire des contrats de commerce sur des denrées spécifiques, notamment la nourriture. Ça tombe bien, Benghazi produit masse, va produire masse nourriture. Très moyen ce matin? Ouais, je comprends, je comprends. Pour éviter la toxicité. Alors, si c'est le roi, donc s'il devient roi, il ne deviendra pas roi. Tradition de marchandage. Hop, 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 hop. Plus 2 dans les fermes céréalières. Benghazi, qui va produire masse nourriture. Si je réussis à débloquer la tradition de marchandage, je vais vous montrer comment on peut faire. Et que je complète ça avec l'exportation de nourriture qui me rapporte au minimum entre plus 20 et plus 50% d'exportation.
J'ai moyen de devenir le gros producteur de nourriture là. Ça va être à terme, ça va être à terme. Oui, je comprends la cible. Effectivement, je comprends, je comprends. Donc, soit je développe. Oh, les deux sont bien. Soit ici, c'est valable. Sirte va devenir une ville commerciale, de toute façon. Donc, Sirte. Je vais récupérer plus de marchandises. Qui dit plus de stockage de marchandises, donc ici, voilà, et plus je vais pouvoir faire de routes de commerce, donc plus de pognon. Et Yo Caredas. Donc plus de pognon. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Clairement. Parce qu'en plus de ça, si je débloque la tradition logistique, les deux sont bien. Les deux sont très. Je réfléchis, je vais réfléchir à ça. Alors, les. Avantages du royaume. Donc ça, c'est les différents avantages qu'on pourra débloquer en fonction des types de marchandises qu'on a. Voilà. Ça a fait dire, je trouve que ça me fait vraiment penser à Europa Universalis. Comment vas-tu, Caridas? Oui, t'as raison, t'as raison. Voilà, progrès, par exemple, si je développe ça, donc il faut que je développe toutes ces ressources, ça me permettrait, par exemple, d'avoir plus 20% de coût d'amélioration, enfin, de bonus d'amélioration, et plus 25% de production. Voilà. D'outils. Abondance, HD découverte, voilà, plus 10% de vitesse de croisière pour les bateaux, plus 10% d'attaque pour les batailles en mer, plus 3 dans les colonies. Ouh! J'ai, oui, j'ai 8 propriétés côtières. Il y a marqué le petit x8. Plus 3 dans chaque, je passe à 24 de pognon en plus. Ah oui! Et merci Magma pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue dans Knight of Honor. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment moyen de personnaliser. Et mais, oh là là, mais tout le monde arrive! Merci Daddy! Merci beaucoup pour le raid! Comment ça va? Comment s'est passé ton stream? La cible vient d'arriver, Daddy vient d'arriver. Bienvenue dans Knight of Honor 2, jeu que vous découvrez en avant-première. Et qui me pose déjà des vraies petites questions sur comment je vais développer tout ça. Comment ça va? Comment ça va? Alors, les traditions, voilà, elles sont là. Et sa très noble famille. Ma très noble famille. ouais, ben, bah, y a pas de souci. Vous avez le droit de me demander des trucs. Hein, y a pas de souci. Alors, parmi les traditions, parce que j'ai débloqué des choses, potentiellement, voilà. À terme, je vais pouvoir débloquer des trucs. Et donc, si je débloque, par exemple, j'avais la possibilité de développer quoi? J'avais possibilité de développer, alors, la tradition marchandage ou logistique. Alors, voilà, hop, marchandage. En échange donc de 400 en érudition, donc ça coûte cher hein, quand même. Hein. Comment, alors là, c'est pas sympa, Daddy, parce que alors là, tu sais très bien que je ne m'y connais absolument rien sur ce genre de navire. C'est pas à moi, là, pour le coup, qu'il faut demander. voilà, ça permettrait de développer masse production, les coûts de bâtiment des améliorations. Alors, ça serait par contre un bonus de 5 sur les coûts. Plus de 25% sur leur entretien des mercenaires. 30% en moins de coûts d'entretien. Ah oui, non mais attends, là, c'est bon Moi, ça. à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Et alors? Bah, avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. C'est exactement ça. Bah tiens, bah, y a Stargate qui va directement pouvoir te répondre, Dali. Ah, oh, tu plaisantais. C'est ça. On va essayer de faire le vœu de pauvreté. Non. Ok. On va peut-être. Si on regarde sur la logistique. La logistique, tu es où? Logistique, c'est bien ça, hein. Tradition logistique. Oui, tu. Je ne te vois pas. Attends. Charité, tactique de cavalerie, assassinat. Oui, on peut se spécialiser en assassinat. Oui. Dissimulation, je ne vois pas la logistique. Il est où? Ah, voilà, logistique. Ah ben j'espère, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, hein, bien sûr, ce soir. T'aimes bien mon pull, mais c'est pas un pull, en fait, c'est un gilet. C'est un gilet noir. Ou alors c'est la carte, c'est ça, hein, en fait, tu aimes ma carte. Tu aimes la carte. Plus. Ah oui, non mais attends, mais la logistique, c'est tellement pété, en fait. Plus 20% de céréales en plus. Vite. Plus 20% de réduction pour le ravitaillement. Je pense que je prendrai logistique. Marchandage, en fait. C'est intéressant si on développe. On verra si on pourrait faire. On va partir sur la logistique.
On va partir sur la logistique. Voilà. Et après, en fait, tant qu'on a des points, donc c'est 200 points, on peut lui donner d'autres éléments de navire. Voilà. L'admin, c'est bon, l'admin aussi. C'est très bon. Plus d'argent dans la ville et plus de marchandises dans la ville. Oh là 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 là, messieurs, je suis la carte. Oui, alors c'est une très vieille montre, hein. C'est une simple montre japonaise, toute simple. Tu aimes ma montre? Elle est belle, la montre. Ce n'est pas un bien positionnel. Sirt, ça va devenir masse génération d'argent. Bon, on a quand même passé un bon petit moment à réfléchir à tout ça. Hein, voilà. Mais pour bien vous montrer comment on pouvait essayer... Ah, il est arrivé, voilà. Riyad s'est assuré qu'il n'y aura aucun obstacle à la circulation des marchandises entre les Almoravides et nous. Il attend de nouvelles opportunités. Donc une fois que la route est créée, de temps en temps, on pourrait avoir des événements pour tenter d'améliorer la qualité de la route. Voilà. Donc voilà. Et on le voit, on est passé à 52 supplémentaires. Hop, on y va. On repart. Donc là, pour le moment, on est vraiment dans l'accumulation d'argent. Il nous faut de la thune. Toujours plus d'argent. Hein, on a besoin d'argent. Donc là, ça y est. Bim. Regardez, bim. On était à 15. On est passé à 23. Voilà, on est passé à 23 de production de céréales. Ça, c'est très très bon. Les textures sont comment? Ça dépend. Ça gratouille un peu, surtout quand j'essaie de gratter du côté français, là. Donc voilà, pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que je vais recruter un espion? Je recrute un espion maintenant. Pour aller voir, pour non seulement commencer à gérer, d'ailleurs je pourrais peut-être me le mettre à Kirman, et commencer à espionner Tunis. Ouais, on va recruter un espion. Allez, un petit espion. Voilà. Je vais te mettre. Alors, je vais te mettre à Kirman. En cas d'activité criminelle dans cette province, je vous ferai un rapport. Très bien, parfait. Donc ça permettra notamment de lutter contre la criminalité, etc., etc. Voilà, je viens d'acheter l'espion. Et du coup, je vais envoyer aussi, eh bien, tenter de l'infiltrer. Voilà, pour 150 pièces d'or, je vais tenter d'infiltrer le royaume de Tunis. Voilà, c'est la liste de Tunis. Voilà, Tunisie. On va essayer d'infiltrer la Tunisie. Tu es invisible. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on attende, qu'on refasse un petit peu notre stock d'or avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et du coup, là, je vais faire une première pause YouTube. On va vite essayer d'inventer la baguette, exactement. Et puis, évidemment, on va continuer. J'ai encore le temps de faire un autre petit épisode. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode-là. Je vous dis à tout de suite.